détective privé. L'intuition au service de la vérité. C'est une femme d'action, puis elle est le moteur de l'action. Elle accepte des défis avant même de savoir si elle va les relever. Nelly, t'as bien ton permis de pilote? C'est pas le diplôme qui fait le pilote! Dans le rêve de petit gars que j'ai depuis toujours, pour moi, un aventurier, c'est ça. Je m'appelle Simon Picard. Et... Même si t'as peur de l'aventure, une fois que t'es lancé, t'es lancé. Puis on le voit dans plusieurs moments où on sent qu'il a peur, il est pas bien dans la situation, mais on fonce quand même. Pardonnez-moi, Saïb, mais je crois qu'il faudrait prendre une décision. Tenzin, c'est un gars qui s'est assagi beaucoup, je pense, avec ses traditions, avec ses, sûrement sa spiritualité. Mais il arrive à avoir un certain sarcasme, et c'est là où est-ce qu'on se rejoint. On ne sait pas s'il existe, mais on sait qu'il est carnivore. Les voix se font d'abord et ensuite l'animation se fait sur les voix. Namasté, je m'appelle Simon Picard et... Moi, c'est Nelly Malloy, détective privé. L'intuition au service de la vérité. Mais le texte, on lit comme on a envie de le lire. Avec le rythme, avec l'intonation, avec le plaisir, l'énergie qu'on veut y mettre. Yo-ho, yo-ho, yo-ho! Ça se ressent à l'écran. Parce que tu comprends que les personnages ont vraiment l'air de se parler, ont vraiment l'air de se tomber ses nerfs par moments. Dans ce cas-là, je préfère ton rien du tout à ta chance. Monsieur est de mauvaise foi. Monsieur fait le difficile. Je pensais pas pouvoir vivre ça une fois dans ma vie, d'être vraiment la source. Puis en plus, on a cet immense privilège de faire une production qui est en langue française, qui est en québécois. En faisant un produit tout à fait local, mais qui se prête à l'international. Le Yéti n'existe pas. Nuance, son existence n'a pas été prouvée. Simple question de temps. Je pense qu'il y en a vraiment tous les goûts parce qu'il y a beaucoup d'humour. Ils vont être divertis parce que c'est une belle histoire. Moi, je vois ça comme un film d'aventure, une comédie d'aventure.